Eh bien, ce soir, en fait, c'est une soirée alumni où on a décidé d'inviter des alumni, nos alumni, mais aussi les élèves actuels, des intervenants et tout le personnel. Mais l'idée, c'est aussi que tous ces gens se mélangent. C'est-à-dire, je vois un grand intérêt là-dedans. C'est-à-dire que je suis hyper positif, que les élèves actuels rencontrent les anciens élèves. Tout ça, c'est fait pour donner du sens à ce qu'on fait. On voit des personnes qu'on connaît, qu'on voit sur LinkedIn et qu'on suit parce que on sait que c'est des anciens IFAGiens. Ce qui fait que on les voit, on leur dit bonjour et de suite, il y a une ambiance qui se met en place. Comme si on se connaissait depuis super longtemps, ça se tutoie de suite. C'est comme si tu entres dans une famille, tu connais pas les personnes et au final, tu sens que tu as les mêmes valeurs. C'est une soirée exceptionnelle. On est à peu près 150 personnes, 150 diplômés. Et là, on est tous très contents de se revoir. La force du réseau, c'est vraiment ça. En une soirée, on arrive à décanter des situations incroyables. Mais c'est une soirée qui réunit énormément d'anciens étudiants qui sont avant tout, avant d'être des étudiants, des gens assez formidables. Et surtout avec un état d'esprit. Finalement, il y a 19 ans, je retrouve des choses très communes actuellement. Ce soir, c'est l'occasion de réunir tous les anciens IFAGiens et aussi la possibilité que les tout nouveaux, les prochains IFAGiens rencontrent les anciens. Et ce genre de soirée, ça permet de retrouver certains repères, certains amis et de lier et de relier des connaissances.